Il a dit, j'ai tellement faim que je peux manger une chèvre avec ses sabots. Comment tu veux dire ça? Kounaï, il a dit, j'ai tellement faim que je peux manger une chèvre avec ses sabots. Kounaï, entre potes, 800 grammes, coup de quoi? Je suis en retard, tu connais James, wesh. J'avais pressé James, tu connais les gars. Il marche, on dirait, va à l'école. James, ça me rappelle un truc, ça l'a réduit. On dit, on a voilà. On dit, il voulait être à quelle heure? 18h? Il est 14h. James, moi je vais manger, non, moi je vais manger là. En plus, il veut manger loin là-bas, là. Il en a rien à foutre. Non, t'inquiète, moi je vais manger là. Voilà, Jam, c'est comment? Retour là, j'ai failli refouler. Pourquoi? Pourquoi? Il y avait des platines là. Des platines là. T'achètes ça à Playmobil. Oh. Ça, c'est pour tous les boursiers. Allez, bah, tu galoules. Qui veut me tester le jour, la nuit. Le boy fan super number one. C'est les Sao Air Force One, Madagascar, Sinesia. On y va. Angala Munga vient de sortir. Ça va sentir pipi. Air Force One, c'est les Sao de la partie. Ça va sentir pipi. Et DJ Jam, 5 étoiles en platine. Ça va sentir pipi. Je suis avec toute ton équipe, hein, Jesse. Voilà. Je suis avec Brix Meteor, avec Balastic. Disait James, c'est aussi le caméraman qui est là, Kounaï, le filmateur, il est là aussi. Yes, hey, regarde-moi un petit peu, Kounaï, mec. Kounaï. Ce soir, tu vas avoir des choses à filmer, mon frérot. Parce qu'à Bruxelles, va y en avoir de la meuf. Est-ce qu'il fait bouffer avec vous? Est-ce qu'il vous fait croquer un petit peu? Ou c'est un mec, tu sais quoi, perso, comme ça? Non. Ah, la famille. Moi, je suis meilleur buteur, meilleur passeur. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Big up aussi à CD Boy. Et à Ibouba, Big Manager. Ibouba, on l'appelle Guardiola, ce temps-ci. Ibou Guardiola. Eh ben, franchement. Parce qu'il a coiffé Mourinho dans les matchs, je dis. On peut dire ce qu'on veut, oui, en France, Paris, ceci, mais à Bruxelles, c'est spécial. Parce qu'après, quand tu viens, tu sens vraiment la ferveur du truc. Et c'est pour ça que moi, quand on me dit Bruxelles, je dis jamais non, parce que je kiffe venir à Bruxelles. Ouais, mais puis les gens, ils aiment t'avoir aussi ici, parce que tu sais quoi, honnêtement, tu cartonnes ici à Bruxelles, parce que chaque fois, il y a plein de soirées. Et moi, je demande, hein, j'annonce les soirées, et puis tout le monde me dit non, ce soir, il y a Jesse, on va voir Jesse, ce soir, on va voir Jesse. Est-ce que t'es proche du public, toi? Est-ce que t'es accessible? Moi, tu sais, je suis un mec super proche du public. Ceux qui me connaissent, ils savent. Moi, je suis pas un mec. Pour moi, je me dis, quand je suis mon spectacle, c'est juste ça qui me sépare du public, c'est que je suis sur le podium. Ouais. Et après, je suis un mec comme tout le monde. Moi, tu vas me voir, on peut discuter, on s'assoit, on prend des photos. T'es en galère, je peux te ramener chez toi, je sais pas, tu vois. J'ai pas ce truc de prendre les gens de haut, de faire la star. T'as raison. On est tous pareils, tu sais. Le jour où on va mourir, au paradis ou en enfer, il n'y aura pas de VIP. Tu feras la queue comme tout le monde. Alléluia, mon frère. Tu sais, c'est l'enfer, tu vas revoir les Tu vas revoir les éthers, dit. Alléluia, mon frère. Donc voilà quoi. La mission, elle veut réussir. Sans prétention, elle arrive à me séduire. Je veux des belles reines de sabbat. Je crois pas ce qui s'est passé. Dans ces mini-caoulés. Je crois que c'est ce qui m'a charmé. Oh là là, Rix te regarde. Bala te regarde. Ibou te regarde. Kounaï te regarde. Zuma les alis en aïe aïe. Bengana yo, benga dadi ke mana linganga ya yo. Benga jani monana linganga ya yo. Bengana yo, benga leni bidesa linga jino se. Eya kiriye, mama. Eya kiriye, mama. Ce soir, ça va être très très chaud, les amis. On est en live and direct avec Jesse Matador et toute sa team. Ça va être très très chaud ce soir du côté du Dukes. Ouh, je te jure, t'es un fou.
Et je te promets. Non, là t'as encore rien vu. Ah mais oui. Pire, un fou malade, là t'as encore rien vu. Moi je calme, tu vois. Les meufs, mettez du Rexona ce soir, vous allez transpirer. Ça va être très, très, très chaud. Les mecs qui sont venus, mais vous avez une superbe énergie, ça fait plaisir en tout cas d'être avec vous les gars. Alors je suis une anglaise et je viendrai ce soir, c'est signé Kessie. Kessie, on vous met une photo. Kessie, le fait que tu sois anglaise déjà, ça va bien. Je vous rappelle les amis qu'il y a eu un challenge, hein, demoiselles qui viendront le ce feu. Soir. Toutes les demoiselles qui viendront ce soir habillées en leggings noirs sexy, vous allez pouvoir ou kiffer, kicker à côté de Jessie Matador en live, les amis. Ah, ça va être beau, ça va être très très beau. Ah, bah oui, mais je sens que ça va être très très chaud. Et quoi, et donc ce soir, c'est des titres hein, inédits un petit peu. Non, il puis... y aura les valeurs chaudes comme Zamunda, comme Décalé Guada, Minika Olé, Ola Olé, Galera. Mais il y aura aussi des nouveaux titres. À quand Jessie Matador en concert, un gros concert bien, tu sais, je sais pas, une grosse salle, l'ancienne Belgique, le Forêt National, où tu vas tout foutre le feu? Non, bah ça c'est en cours. Après, tu sais, il faut des autorisations, c'est pas facile de mettre ça en place. Souvent, les mecs ils viennent, après les mecs ils sont un peu, tu vois, les organisateurs, ouais, bon, moi je vais te faire venir. Un tonton, tu vas voir, un tonton il va arriver, il va te dire, oh petit, viens, bon, tu vois, moi j'ai un concert à faire là. Bon, viens, je te paye, combien de coûts ton cachet, bon, viens petit, tu vois le concert, la salle là. Tu vas arriver ici, il y a pas d'hôtel, il a rien loué, il me dit bon, viens à la maison à manger là, donc on t'invite à manger chez lui. Donc tu vois, non, c'est que il y a des producteurs qui sont aussi pas sérieux, c'est ça, c'est qu'il faut faire attention, vrai. Tu vois. Ça c'est vrai, mais finalement, le Duke c'est une valeur sûre.